Alain Cavalier, resta, sta nell'edificio. Sí, que treballa amb una petita càmera que cap amb una mà, i això ha canviat també la vida dels cineastes. Abans les càmeres eren molt grans, com un bufet en una cuina, i calien dues o tres persones per moure-les, i això costava molts diners. Et ne pas séparer les deux comme dans la vie. Dans la vie, le son fait partie du corps et le corps fait partie du son. I com a la vida real ja no cal separar les dues coses, el so i la vida no van per separat, van junts. Et arriver à faire un cinéma plus directement subjectif, donner son point de vue immédiat, parce qu'on a un objet qui enregistre immédiatement votre émotion et votre sensation. I això permet fer un cinéma més subjectiu, posat que es pot gravar alhora les dues coses. Alors, il y a des... Quand vous essayez de filmer la vie, ce qui vous intéresse, c'est ce qui a de fiction dans la vie, c'est-à-dire s'il y a une histoire en route. Quand es filma la vida, el que interessa és veure si hi ha ficció a la vida, si hi ha una història que està tenint lloc. Et quelquefois, vous le filmez, c'est tourner et monter à la fois, tellement vous êtes proche de l'événement. Et de vegades, rodar és muntar l'hora, perquè estem molt a prop de l'esdeveniment i es fa l'hora. La pregunta és si hi ha un paral·lelisme entre la pel·lícula i el diari que escriu, i si en el moment de filmar, malgrat que en el cinema després hi ha el muntatge, si en el cinema ha tingut la mateixa sensació d'escriure mentre es muntava. Mon malheur en tant que cinéaste, c'est que j'ai commencé par lire et je n'ai fait mon premier film qu'à 7 ans. Donc j'ai été formé par l'écrit. La meva desgràcia com a cineasta és que vaig començar llegint, i primer vaig llegir llibres, i la meva primera pel·lícula només va arribar quan tenia 7 anys. I j'ai lutté toute ma vie pour essayer d'être authentiquement cinématographique et de ne pas emprunter à la littérature, à la musique et au théâtre. Essayer de trouver ce que le cinéma avait de personnel et de magnifique.
I per tant, tota la meva vida he lluitat per trobar el que era autènticament autèntic en el cinema, tenir una visió cinematogràfica i lluitar per no manllevar coses ni a la literatura, ni a la música, ni al teatre, sinó a buscar allò que era personalment intrínsecament teatral. Mais comme je vous ai dit maintenant, c'est plutôt de dire que je suis attiré par la réconciliation quand même, et que j'ai eu cette espèce d'intuition d'écrire jour par jour de près de 2 ans et demi de vie avec Irène avant qu'elle meure. Qu'elle meure de, pratiquement le lendemain, j'ai continué après, mais j'ai interrompu mon journal pendant un mois, j'ai continué pendant quelques mois après. C'est-à-dire, je sais exactement pendant 2 ans. Donc la littérature, effectivement, a été la base de ma reconstruction, avec elle, et de voir, però com que estic envellint, el que passa és que el que m'atreu més és la reconciliació, i per això vaig tenir la intuïció d'escriure dia rere dia el que passava amb ella, i fins l'endemà en què va morir, encara vaig escriure un temps, després ho vaig deixar estar, però tinc 2 anys en què dia a dia he escrit tot el que havia passat amb ella, i per tant la literatura sí que és la base d'aquesta reconstrucció. Et mon immense regret, c'est que ces caméras numériques d'aujourd'hui, je ne les ai pas eues à cette époque-là. Et au lieu d'écrire, j'aurais filmé. Et ça, pour moi, c'est je suis un pied dans le passé et un pied dans le présent. Mais j'aurais aimé quand même garder une trace cinématographique plutôt qu'une trace littéraire. El que em sap greu és que quan va passar la història les càmeres digitals no existien, i si no hagués filmat, en lloc d'escriure, hagués filmat tot el que passava. I jo, com que tinc un peu una mica en el present i un altre en el passat, doncs vaig convivint amb això, però m'hagués agradat moltíssim guardar petjades, guardar traces del que havia passat.